un stage formateur premier secours s'est déroulé sur 2 semaines en mai à Ajaccio. 12 stagiaires ont participé à cette formation, destinée à renforcer le pool de formateurs dans le département, comme nous l'explique le lieutenant Philippe Paoli. Alors l'objet du stage, c'est tout d'abord, il y a eu une étude sur le dimensionnement de la filière SUAP au niveau des formateurs. Donc il y avait une carence en termes de formateurs, il a fallu redimensionner. Et l'objectif, ça a été de faire une sélection départementale pour avoir une formation sur 12 stagiaires issus de l'ensemble du département. Donc c'est pour ça qu'ils sont passés par une sélection, un tutorat, une formation à distance. Et donc cette formation qui a duré 10 jours pour en faire des formateurs en premier secours. Une formation fortement structurée sur la base de scénarios pédagogiques élaborés par les stagiaires, puis déclinés sur des mises en situation professionnelle au plus près de la réalité, comme nous l'a précisé l'adjudant-chef Emmanuel Vitali. Alors, c'est un stage qui va permettre notamment de former des formateurs au premier secours, qui auront pour but cette formation d'encadrer les formations d'équipiers premier secours et équipiers SUAP, ainsi que du chef d'arrière aussi réservé. Donc tout ce qui est dominant domaine formation SUAP, c'est-à-dire secours d'urgence aux personnes. Donc c'est un stage qui a permis de pouvoir les mettre en situation sur différents thèmes, notamment des activités qui ont permis, au travers de thèmes bien définis et donnés en amont et qu'ils ont pu préparer, c'est-à-dire qu'on a pu mettre en place comme aujourd'hui, la journée aujourd'hui a permis de mettre en place des situations professionnelles, des ateliers pédagogiques. Ils ont pu mettre, en pratique ce qu'ils avaient fait la première semaine, où c'est un tronc quand même pédagogique qui permet d'acquérir l'ensemble des connaissances sur la pédagogie proprement dite à toute formation. Et la seconde semaine est plus spécifique, dans le terme où ils sont plus sûrs de formateurs premier secours. Un stage organisé au niveau départemental avec une mutualisation de l'encadrement pédagogique avec le CIS de Haute-Corse. Une mutualisation notamment dans le domaine stratégique de la formation voulue par la gouvernance des deux CIS de Corse.